Ah, je suis vraiment trop content. Ça y est, voilà enfin la médaille d'or tant attendue, champion du monde. Première fois en individuel, donc ça va être que du bonheur, j'ai hâte de passer sur ma Marseillaise. Je me sentis super bien, voilà, je suis parti. Je savais que j'allais partir devant de toute façon, mais bon, je fais une touche pas terrible encore au 50. Et bon, malgré ça, j'arrive à faire un gros retournement et une bonne deuxième coulée. Et derrière ça, je garde ma vitesse. Les 5 derniers mètres, c'était vraiment dur parce que je les sens, je les vois qu'on est juste à côté, qui reviennent fort sur moi. Donc à ce moment-là, je me suis vraiment dit, allez, pousse, glisse. Je pensais qu'à ça. Et donc à la fin, le dernier mouvement, j'ai resté le plus tendu possible pour avoir le moins de résistance possible. Et bah, je pense à moi, hein, j'ai juste kiffé. Bah, je pense aussi à tous ceux qui m'ont accompagné voilà, pour en arriver jusque-là. Donc c'est mon premier en individuel et j'espère. Et en tout cas, je ferai en sorte que ce ne sera pas le dernier. Je me sens bien sur cette course, donc au final, j'ai pris du plaisir. J'ai eu aucun doute. Je n'avais pas encore choisir entre le 50 et le 100, papillon et crawl. Mais au final, quand j'ai fait mon choix, voilà, je l'ai assumé pleinement et je savais ce qu'il fallait faire. Ouais, c'est un très gros temps. Et encore, je ne fais pas une course parfaite, donc voilà. Il y a des choses encore à améliorer, il y a des choses à mettre en place pour vraiment écraser la concurrence. Je vais peut-être le rajouter dans mon planning d'entraînement. C'est vrai que j'ai pas beaucoup préparé cette course, vraiment même pas du tout. Mais voilà, je le sens bien, c'est assez naturel, mais c'est cool. Je sais pas comment je nage, je pense que c'est dur de dire. Comment je me sentais, c'était difficile parce que hier j'avais l'impression de nager vite. Et je sais pas, il y a pas grand chose qui... Je sais pas, si... non je pense pas que ça m'ait mis le doute, mais ça a été... un peu compliqué de switcher, puis ce matin je fais une course de merde, on va le dire, au 50 crawl. Donc ça a fait que s'enchaîner. Malgré tout, on a essayé d'être présente dans cette finale, d'essayer de... Je m'étais dit, essaye de déjà faire un bon 15 mètres, un bon départ, c'est mon point fort. Pas sûr que ce soit passé. Je sais pas, il n'y avait pas tellement d'énergie, je me suis pas trouvée énergique, ouais. Voilà, c'est tout. Bah, de la joie, du soulagement. C'est vraiment un bonheur de revenir. Surtout que je me suis qualifié de justesse au championnat de France. Et là, pareil, je me qualifie encore de justesse pour la finale. Et d'être dans les 8 mondiales, c'est énorme. Je ne pouvais pas rêver mieux, quoi. Je sais très bien que cette année, ça allait être compliqué, que j'allais vivre des hauts, des bas. Et je me suis dit qu'il fallait que je bosse pour l'année prochaine, pour les Jeux. J'allais à la cool tous les jours. J'allais pour m'entraîner, pour prendre du plaisir. Et c'est venu petit à petit, tranquillement, en souplesse. Et voilà, aujourd'hui, je fais ça, c'est vraiment cool. Vous voyez, j'étais plutôt à l'aise sur le premier 500. Le deuxième 500, bon, je gère un peu. Et le troisième 500, j'ai eu un peu de mal. Je voyais l'Américain remonter à ma droite, l'Égyptien à ma gauche. Et je savais qu'il fallait que je le joue au dernier 100 mètres parce que si je m'acharnais dessus en essayant de lui grappiller des centimètres et des centimètres, j'allais me tuer pour le dernier 100 mètres. Surtout que je savais qu'il allait me remonter. Et le dernier 100 mètres, je l'ai joué à l'expérience.